Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Voilà, nous allons présenter ce moment au Seigneur Père. Je vais te dire merci. Je vais te rendre toute la gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, et nous allons lire le verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Proverbe 29, verset 22 qui dit, un homme colère excite des querelles. Et un furieux commet beaucoup de péchés. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs soit béni. Que Jésus-Christ soit élevé. Amen. Que Jésus-Christ soit béni. Voilà. Jésus-Christ est notre gloire. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre libérateur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ règne. Jésus règne, il règne, son règne est éternel. Jésus-Christ, notre bannière, Jésus-Christ, notre guide, que son nom soit béni. Alléluia, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié. Alléluia, Jésus-Christ est tout puissant. Alléluia, notre Dieu est si bon, il est si merveilleux, il est si réel. Nous t'aimons, Jésus. Je bénis le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu de gloire, du Dieu de bonté. Jésus-Christ est Dieu. Il faut l'invoquer. Il est là pour toi. Ne le laisse pas dormir. Il faut l'invoquer jour et nuit. Il est là. Médite la parole. Alléluia. Afin qu'il détruise tous ces décrets sataniques, ce pouvoir diabolique, ce pouvoir démoniaque, qu'il incendie toutes ces puissances des ténèbres sur ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est glorieux. Il est tout puissant. Le Saint-Esprit est là pour toi et moi. Le Saint-Esprit est là. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Jésus-Christ est tout puissant. Je vais te dire, je m'en vais te dire cet après-midi que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ nous dirige. Jésus-Christ nous élève. Jésus-Christ nous fortifie. Jésus-Christ est Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est notre gloire. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ en rançon pour nous. Alléluia. Pour toi et moi, notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Dis au Seigneur de détruire l'image de Satan sur ta vie. Amen. Tu veux réussir, tu veux guérir, tu veux prier, tu veux être à l'aise, tu veux avoir un foyer, tu veux avoir des enfants. Détruis l'image de Satan sur ta vie. Détruis l'image du diable sur ta vie, l'image des sorciers sur ta vie et des sorcières. Détruis l'image des puissances des ténèbres sur ta vie. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Il est fidèle. Il est amour. Alléluia. Dis au Seigneur d'enlever toutes les marques sataniques de ta vie. Dis au Seigneur d'enlever toutes les marques maléfiques, diaboliques, démoniaques de ta vie. Brûle toutes ces puissances des ténèbres. Tu veux être en paix? Accroche-toi au pied de la croix. Assieds-toi au pied de la croix. Jésus-Christ est notre bannière. Il est notre forteresse. Il faut chasser toutes ces puissances sataniques de ta vie. Alléluia. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, je priais pour les pays là, les pays francophones. Je vais dire, voilà, la CEDEAO et autres pour l'Afrique. Et le Seigneur va me révéler quelque chose. Le Seigneur parle, notre Dieu parle. Il est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre bannière. Il est tout puissant. Jésus est fidèle. Jésus-Christ est magnifique. Il est notre roi. Il est notre guide. Il est notre forteresse et notre salut. Jésus-Christ sauve et bénit. Jésus-Christ nous montre le chemin. Comment faire pour être libéré de toutes ces puissances sataniques. Alléluia. Il est fidèle.
Jésus est fidèle. Je vais te dire que Jésus-Christ est fidèle, que Jésus-Christ est merveilleux. Il est tout-puissant, il est notre conseiller. Alléluia. Que Dieu au Seigneur, Dieu au Saint-Esprit, de te couvrir avec le feu, avec son feu. Dieu au Saint-Esprit d'être avec toi. Dieu au Saint-Esprit de te parler. Dieu au Saint-Esprit de te renouveler, de te régénérer, de te fortifier. Dis ce dont tu as besoin au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit va faire quelque chose pour toi. Je suis en train de te dire ce que je sais. Alléluia, le Saint-Esprit est vivant. Alléluia, que son nom soit béni dans le nom de Jésus. Dieu au Seigneur, de t'aider à crucifier ta chair. Il faut le lui dire. Tu dis, Seigneur, aide-moi à crucifier ma chair. Alléluia, que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Alléluia, tout ce qui t'empêche de progresser dans la vie spirituelle soit incendié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus va me ravir en esprit. Dieu va me ravir en esprit. Dieu parle. Et Dieu parle encore à ses enfants. Il est si bon, il est si merveilleux, il est si doux. Il est réel. Vous voyez ce qui se passe en Afrique francophone? J'ai commencé à prier. Nous prions beaucoup pour l'Afrique. Et nous prions parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre continent en Afrique et particulièrement en Afrique francophone. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer. Amen. Voilà, Dieu va me montrer l'Afrique francophone. Vous savez, la guerre de le coup d'État, je priais pour ces pays limitrophes et tout ça. Et j'ai dit au Seigneur, pourquoi les djihadistes tuent les gens d'habitude, quand je prie, hein, je prie comme ça, je prie pour ces pays-là, parce que ça me fait mal qu'on tue les paysans, les gens, des gens sans armes, qu'on les tue, les civils, on les tue, au Niger, au Burkina Faso, et tout cela, et ce sont des djihadistes qui tuent ces personnes-là, et ça me fait tellement mal, et que j'intercède au Mali, tout ça, les gens tuent au Bénin. Donc, j'ai commencé à prier pour ces pays-là. J'ai commencé à prier, j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi les djihadistes tuent tant les civils? Ce ne sont pas des militaires qui tuent, mais ils vont dans les villages et ils tuent les villageois. Et ça me fait très mal, sachant que ceux-là se débrouillent, les villageois, nos parents qui sont dans les villages-là, se débrouillent pour manger. Et voilà que débarquent les djihadistes qui vont les égorger. J'ai dit non, ça je ne peux pas admettre ça. J'ai commencé à prier, jeûner pour ça. Et le Seigneur va me parler. Dieu est tout puissant, Dieu est merveilleux. Il a dit, il faut annoncer. Il faut annoncer à tous ces pays-là francophones de se repentir. Il faut annoncer dans ces pays, il faut leur annoncer à tous ceux qui vous écoutent de se repentir. Et dans le rêve là, je voyais que tous venaient en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, vous voyez pourquoi la guerre ne peut pas finir en Afrique? Parce que pourquoi le Seigneur? Et le Seigneur a continué à me parler, mais je suis en train de vous résumer. Je suis en train de résumer une petite partie pour te donner. Pourquoi il y a cette tuerie-là? Parce que le Seigneur m'a dit de demander à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui était le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me montrait comme ça, il dit, regarde, tous ces pays limitrophes-là étaient d'accord pour détruire la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait coup d'État. Et tous ces pays qui sont en train de souffrir aujourd'hui ont leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs conjoints. Ils se sont mis en accord avec les Ivoiriens, la rébellion, et ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire en 2002. Et c'est pour ça que le Seigneur est fâché. Ça veut dire qu'en 2002, ce que les gens sont venus faire en Côte d'Ivoire, la guerre qu'ils ont envoyée en Côte d'Ivoire, ils ont imposé cette guerre en Côte d'Ivoire. Ils ont imposé cette guerre à la Côte d'Ivoire. Ils ont tué les Ivoiriens. Il dit, ce sont leurs enfants qui ont fait ça. Les pays limitrophes,
et d'autres même qui sont en Afrique francophone. Ils se sont bien entendus. Même il y a des anglophones dedans aussi. Ils se sont bien entendus. Et puis, ils sont venus détruire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui leur a donné à manger, qui leur a donné des terres, qui a tout fait pour eux, ils ont tué les Ivoiriens. Ils ont oublié Dieu. Et ils ont volé les Ivoiriens. Ils ont volé tout ce que les Ivoiriens pouvaient appartenir, qu'ils pouvaient avoir. Et ils sont partis chez eux avec. Il y a d'autres même qui sont restés dans des maisons des Ivoiriens. Et jusqu'à présent, ils y sont. Et le Seigneur me dit, regarde ce qui s'est passé. Et je voyais comme la guerre. Et puis il me dit, regarde comment ils ont tué les Ivoiriens. Donc, tout ce qui arrive là, c'est de leur faute. Tout ce qui arrive, tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce que les djihadistes sont en train de faire, les tuer, tuer tout le monde, tuer au Niger, au Burkina, au Mali, tout et tout. Ce sont eux qui se sont associés à la rébellion et qui sont venus tuer les Ivoiriens. Ils ont tué beaucoup d'Ivoiriens. Et ça continue, les Ivoiriens continuent de mourir. Et ils ont fait du mal au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire était en paix. Et le Seigneur me disait, regarde, la Côte d'Ivoire était en paix, mais regardez, la rébellion. Et les étrangers, tout cela, les pays africains là, tous ceux qui se sont associés à la rébellion, qui ont été formés par Blaise Compaoré, tous ceux-là vont payer. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Tous ceux qui ont participé à la tuerie des Ivoiriens, qui buvaient le sang des Ivoiriens, qu'ils ont mis les baoulés là dans des containers. Ils ont tué beaucoup de baoulés. Les femmes à Gano de Sakasso, elles sont toutes mortes. Ils ont tué beaucoup de gens. Les militaires, parce qu'ils étaient plus nombreux que les Ivoiriens. Donc, à Boaké, j'avais des amis là-bas. Hein. À Boaké, j'avais des amis. Pour sortir de Boaké, il fallait parler. Bon, il fallait parler le malinké. Il fallait être en boubou. Donc, vous voyez comment la guerre a gâté beaucoup de choses. Donc, tout ce qui se passe là, le Seigneur me dit, tout ce qui se passe là, les tueries là, avec les djihadistes là, c'est la rébellion qui a envoyé ça. Et ils sont en train de payer tout ce que leurs enfants, leurs frères, leurs oncles, leurs cousins, tous ceux qui ont participé à la rébellion pour tuer les Ivoiriens, ils sont en train de payer. Donc il y a quelque chose à faire, la repentance. Ils doivent demander pardon au Seigneur. Ils doivent demander pardon aux Ivoiriens. Ils doivent demander pardon aux Ivoiriens. Ils ont laissé. Il y a beaucoup d'orphelins en Côte d'Ivoire ici. Il y a beaucoup de veuves. Il y a beaucoup de veufs. Ils ont fait du mal aux Ivoiriens. Ils ont utilisé, exploité les Ivoiriens pour combattre le président Gbagbo. Mais le président Gbagbo, lui, il est là. Ses enfants sont là, ses petits-enfants sont là. Ce sont des civils, des gens, nos parents qui sont morts. Donc Dieu dit, il faut une repentance. Que les gens annoncent aux étrangers. Ils ont ramassé les biens des Ivoiriens. Aujourd'hui, je connais un pasteur qui était à Boaké. Ils ont pris sa maison. Et ils sont encore dedans, ces rebelles-là. Nous-mêmes, moi-même, j'avais un terrain là-bas avec mon mari. Ils ont construit, une mosquée dessus. Voici notre terrain. Voilà, il faut annoncer à tous ces étrangers, à toutes ces personnes-là, tous ceux qui ont participé à la rébellion, de se repentir. Nous sommes dans une période de jeûne. Dieu dit de se repentir. Le Seigneur a un plan pour ces buveurs de sang.
Et par jour, ils buvaient du sang, un verre de sang. Ils égorgeaient il y a une dame qui était là-bas qu'on appelait Gina Mousso. Voilà. Ils égorgeaient les Ivoiriens, ils prenaient de leur sang et ils buvaient de leur sang. J'ai dit la guerre de 2002. Il faut prier le Seigneur. Ceux qui ont bu le sang des Ivoiriens qui commencent à demander pardon parce qu'ils seront empoisonnés. Et je sais que beaucoup sont morts, mais ça continue. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Le Seigneur dit, va leur dire, va dire à tes frères et sœurs d'annoncer, annonce que toutes ces personnes qui ont participé à cette tuerie de masse se confessent, qui demandent pardon, qui demandent pardon, qui prient et qui demandent pardon. Le pardon, c'est au niveau de Dieu. Sinon, l'homme, qu'est-ce l'homme? L'homme n'est rien. Tu peux demander pardon à quelqu'un. Bon, mais c'est fini ça. Mais demander pardon à Dieu. Annoncer ça dans ces pays-là qui demandent pardon au Seigneur. Ils ont fait du mal aux Ivoiriens. L'Ivoirien aime étrangers. Vous allez voir que l'Ivoirien aime tellement les étrangers. Les Ivoiriens aiment les étrangers. Les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens aiment les étrangers plus que leurs frères Ivoiriens. Vous voyez, Dieu nous interpelle de nous aimer. Il faut aimer ton frère, aime ta sœur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que Dieu déverse sa gloire sur ta vie, toi qui m'écoutes. Que Dieu inonde ta vie de bénédiction, d'élévation, de prospérité. Je vais te dire de te repentir, toi qui as participé à toutes ces choses. Tu as volé, tu as tué. Il y a du sang dans ta main. Il faut demander pardon au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est votre servante Moyer. Il faut se connecter sur Moyer TV. Il faut t'abonner. Vous voyez, il y a des gens qui prennent mes vidéos, les vidéos que je fais là, ils prennent, ils enlèvent le titre et ils mettent un autre titre et ils mettent ça sur leur chaîne. Voilà. Il faut venir sur Moyer TV. Je ne sais pas qui fait ça, mais ce n'est pas gentil. Il faut demander la permission à Mamie Moyer avant de prendre ses vidéos. Et ils ont pris plusieurs de mes vidéos comme ça. Voilà, je visionne ça tout le temps, mais ils changent de titre et puis ils mettent pas Moyer TV, hein, mais ils mettent ils mettent Jésus-Christ t'aime. Au lieu de mettre Moyer TV, ils mettent Jésus-Christ t'aime. Amen. Soyons dans la vérité, frères et sœurs. Le Seigneur nous aime tous, que son nom soit béni. Nous allons terminer par la prière. Père, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le véritable Dieu. Tu es notre gloire. Tu es notre Seigneur. Tu es notre bannière. Merci Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moyer. Abonne-toi, connais-toi et partage. Au revoir.